Shalom le Koulam, bienvenue sur Bible Academy et nous allons commencer par un extrait du livre de Ruth et nous allons tout simplement commencer par le début, c'est le chapitre 1 du livre de Ruth, ça va s'afficher à l'écran, mais avant tout je voudrais quand même introduire les deux experts qui me suivent dans cette aventure. Nous avons Nicolas. Shalom, Nicolas. Shalom Eli. Alors, il y a ta présentation évidemment sur le site. Chacun pourra s'y référer pour connaître, en savoir un peu plus sur toi. Et puis, nous avons aussi Yoav Manishma. Shalom Eli. Shalom, Yoav. Alors, donc, avec Nicolas et Yoav, on va essayer donc de rentrer dans ce texte de plein pied. On va s'aider évidemment de la traduction. Ici, vous avez la traduction du rabbinat, mais en fait, toutes les traductions sont intéressantes. Mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est la grammaire, la conjugaison, la syntaxe de ce texte de Ruth, Megillat Ruth. Et on commence tout de suite. C'est parti. Je vais commencer, si vous le voulez bien, mes chers amis. Je peux commencer le premier passouk. Vayi bimei shvot ha-shoftim, vayihi ra'av ba'aretz, vayelech ish mi beit lechem Yehuda, lagur bisde Moav, hu veishto ushnei vanav. À l'époque où gouvernaient les juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme quitta alors Bethléem en Juda pour aller séjourner dans les plaines de Moab, lui, sa femme et ses deux fils. Voilà pour le premier passouk, le premier verset. Alors, on peut commencer peut-être l'analyse de tout ça. Nicolas, tu veux peut-être partir sur les premiers mots? Effectivement, déjà le premier mot, Vayehi, est intéressant, peut-être un peu surprenant pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'hébreu biblique, parce que c'est une forme typiquement biblique, avec ce qu'on appelle le vav conversif, donc le va, donc un vav qui est vocalisé avec un a et non pas avec un e, avec un sheva, va, yehi, qui est la forme courte, apocopée, on dit, de yihyé. Donc là, on a affaire à quelque chose d'assez étonnant, un phénomène assez étonnant, mais qui est typique de l'hébreu biblique, du système verbal de l'hébreu biblique, qui est en fait, on a appelé ça vav conversif parce que ça, le va, il transforme en quelque sorte le futur en passé. Donc vayehi, au lieu de vouloir dire et il sera, ça veut dire et il y eut. Alors, Voilà, après. Nicolas, merci pour cette précision. Il faut dire que on va utiliser le terme de passé et de futur parce que, bon, en hébreu moderne, on dit atid et avar, évidemment. Mais c'est vrai que les puristes de l'hébreu biblique vont dire l'inaccompli, l'accompli. Donc, on pourra aussi jongler entre ces différents jargons, j'ai envie de dire. On va essayer de ne pas être trop jargonnant comme j'aime bien le dire, parce que, en effet, tu as dit que c'était apocopé. En fait, donc, tout simplement, c'est tronqué à la fin, quoi. C'est ça que tu veux Voilà, dire. c'est ça, le hé est tombé. En fait, c'est Yihyé qui devient Yehi. Voilà. D'accord? Yihyé devient Yehi. Yihyé, il sera. Vayehi, il fut. Il fut. Yoav nous dit que souvent les livres commencent par Vayehi, les livres bibliques. Et je ne sais pas si c'est libre, certains récits dans Un les récit. textes biblique commence Vayehi et c'est introductif, en effet, comme ici, le plus connu, Vayehi Achar HaDevarim HaEle, dans le livre de la Genèse, et puis après cet événement, cette chose-là, c'est un élément qui est introductif dans la narration. Voilà. La D'accord. lecture Et donc, auto-biblique va donner un sens en spécifique fait, c'est dessus. impersonnel parce que c'est Vayehi. Comment dire, Vayehi ne se réfère à aucun sujet ici. On voit bien que c'est impersonnel. C'est il fut. Il est arrivé, parfois il est Bon, il est arrivé. arrivé. Alors là, on s'est traduit à l'époque. Alors ensuite, si on continue. Ici, Pardon. si tu veux, une petite chose, je ne sais pas si c'est biblique, mais post-biblique, on a Yehi. Yehi, le sens de futur, qu'il soit. Le mot Oui. Yehi devient qu'il soit. Yehi Ratzon, c'est une expression importante.
Bien sûr. Voilà, qui conduisent le même élément, sont les verbes qui deviennent ensuite dans le futur, ça inverse la direction. Bien sûr, bien sûr. On parlera un peu plus en profondeur sur ces différentes formes, Nicolas, un peu plus tard. Alors, si je continue, il y a bimei shvot hashoftim. Alors, bimei dans les jours de, puisque c'est une smichut, bimei, c'est yamim shel, ok? Donc, bimei shvot hashoftim dans les jours de. Shvot hashoftim. Alors là, c'est intéressant. On rentre de plein pied dans des problématiques très bibliques. Qui veut nous en parler? Oui, Yoav. je vais dire un mot, c'est-à-dire ici, c'est vraiment la structure, c'est-à-dire Shvot, c'est un infinitif absolu, voilà. Hashoftim, c'est le sujet, c'est-à-dire le juge, voilà. Shvot, la racine très importante dans la Bible, fondamentale, des jugés, on va aussi tribunal, et d'autres termes, mais ici, c'est-à-dire, il faut le traduire au moment où les juges ont gouverné. D'accord, alors C'est-à-dire, justement, Yoav, normalement, gouverner, je sais pas, on aurait dit peut-être l'imshol, par exemple, mais l'ishvot, ça veut dire juger. oui, tout à fait. C'est-à-dire, mais sauf que, c'est-à-dire, les livres de route se réfèrent volontairement aux livres de juges. Les livres de juges se trouvent après les livres de Josué. Les livres décrivent l'événement jusqu'à l'arrivée du premier roi, Saül. Et juger, les juges dans les livres des juges ne veut pas dire des juges de sens jugé comme un acte juridique. Ça veut dire plutôt la notion d'un chef charismatique, et juge des chances sauvées même. Voilà, qui on peut dire par rapport à un livre juste parce qu'on ne voit pas beaucoup de chefs qui jugent, sauf peut-être Devora. Mais c'est-à-dire le mot juge est appliqué de sens gouverné. D'accord, ok. Et là, mettons vers Nicolas, peut-être, notre grammairien, Nicolas Shvot Hashoftim, comme a dit plutôt Yoav, que c'est un makor mukhlat en hébreu, comment on pourrait dire ça en français? Moi, je dirais construit. Ouais, c'est ça, c'est pas makor mukhlat, alors c'est un Ce serait infinitif plutôt un construit. infinitif Shem Kohen? construit. Mais il y a un double construit. Il y a bimei et puis shvot, c'est deux construits qui s'enchaînent. Ah, tu veux dire, c'est ce deux états construits qui s'enchaînent? Ah oui. Ouais. Les C'est un jours état construit? de... Shvot, Comment? c'est un état construit, Shvot? Shvot, c'est un... Oui, c'est un infinitif. Pour moi, construit, oui, sinon ce serait Shafot, je pense, l'absolu. Ah, d'accord. Donc c'est Shvot Hashoftim, c'est-à-dire il y a effectivement une référence au livre des juges, à la période des juges qui est décrite dans le livre des juges, comme l'a dit Yoav. Je pense qu'il y a aussi un élément qu'il faut comprendre, un élément littéraire, c'est que le Vayehi, effectivement, il ouvre un récit, comme on l'a dit, et Shvot Hashoftim, il y a une volonté de l'auteur de placer le récit du livre de Ruth, finalement, entre Shoftim et le livre de Samuel. Il veut faire une sorte de jonction où il prend ce créneau, on va dire, pour raconter une histoire, même si les exégètes maintenant ont identifié que c'était quelque chose de plus tardif, mais il veut s'inscrire dans le créneau, on va dire. D'accord. Donc, Et donc, effectivement, Shoftim. ici, Yoav. Oui, il faut ajouter à la suite ce que Nicolas a dit. Il fallait déjà dire ça au début, c'est-à-dire le livre des routes se trouve dans plusieurs traditions, dans plusieurs endroits dans la Bible. Et Oui. suite à ce qu'a dit Nicolas, c'est peut-être aussi tradition juive que les livres, ce n'est pas exclu, hein, les livres de routes sur certains ordres de livres se trouvent après les livres des juges. Oui, Voilà. ce n'est pas le cas dans la Bible hébraïque, mais dans certaines Bibles, dans certaines traditions, je crois la Oui, Bible c'est pas orthodoxe, exclu. je crois, ou la Bible chrétienne, tout simplement. Ben Ou dans la l'Ancien Septante, Testament. L'Ancien Testament, dans la Septante, dans la oui, Bible dans la grecque, Septante, d'accord. et effectivement, il se trouve à Oui, cet endroit. Ça peut d'accord. être aussi une tradition juive, sauf qu'après, ce qui est important à dire, c'est-à-dire que la tradition rabbinique tardive, je crois, il faudrait voir ça, c'est-à-dire à placer ce livre dans ce qu'on appelle les cinq rouleaux.
Les Oui, cinq en effet, rouleaux, mais l'autre. l'ensemble, Cantique des Cantiques, Lamentation, Ecclésiaste et Livre de route, les cinq rouleaux ensemble, ça veut dire qu'il y a une autre fonction, en fin de compte, dans la liturgie juive. Voilà. Alors, il y a plein de mots qui viennent de cette racine, shin, pe, tête, en hébreu aujourd'hui, on utilise plein de mots. Est-ce que tu peux nous faire un peu un inventaire pour, ou Nicolas, enfin chacun pouvait peut-être me donner des mots qui viennent de. Bah, il y a déjà chauffette qu'on utilise encore. Un juge. Et oui, je vais dire, il y a le mot mishpat. Mishpat. Mishpat, c'est un mot important déjà dans la Bible, des sens. Aussi, certaines règles et lois, aussi l'action du juger. Ça veut dire Mishpat, une phrase, une voilà, phrase. en hébreu, plus tardif, ça donne la phrase, parce Ouais. que c'est quelque chose coupé, Ouais. la phrase. Et en hébreu moderne, Bet Mishpat, c'est le tribunal aussi, bon. Mishpatim, c'est le droit. Mishpatim, c'est le droit. Oui, exactement. D'accord. Au pluriel. Au pluriel, ça donne le droit. Chipout, c'est la notion de juger. Voilà, chipout, voilà. L'arbitre, peut-être, non? Chauffette. Chauffette. Chauffette, un arbitre. Tu nous avais aussi parlé du mot mishpetan, Yoav. Juriste. Juriste. Mishpatan ou C'était mishpetan. plutôt pour traduire un terme non hébraïque. Je crois que Oui, c'était c'est un juriste. Et juriste, puis, oui. tu avais aussi évoqué le mot chafit, qui veut dire Je crois, Chafit, justiciable. ça c'est oui, ça c'est quelque chose de très un peu entre guillemets sensible. C'est quelque chose qu'on peut juger d'un point de Ouais, vue qu'on peut juger. juridique. Ça entre dans le système juridique formel. Chafit, c'est-à-dire sa construction moderne par excellence, voilà. Alors, Chafitable. si on continue, c'est un vayehi bimei shvot ashotim, ce fut dans les jours, bimei, c'est bayamim shel, donc dans les jours où gouvernaient les juges, si on voulait essayer de rendre une phrase française comme il faut, vayehi ra'av ba'aretz. Ra'av ba'aretz. Alors là, Nicolas, vayehi, c'est le verbe et le sujet, c'est Ra'av. Il y eut une famine, oui. Tout simplement. Alors, Ra'av, ça se dit encore aujourd'hui, une différence de degré. Est-ce qu'aujourd'hui, quand je dis Zegoremli les Ra'av, ça me donne faim? Est-ce que Ra'av, c'est aussi la faim, mais c'est la famine et la faim? C'est les deux, tu vois? Oui, tout à fait, c'est les deux. Et comme a dit Nicolas, Shvitat Ra'av, c'est un grève de faim. Ah oui, bien sûr. Et l'arrive, il y a la forme dans la racine de la formule, ça veut dire affamé. Les arrive, oui, au if-il, affamé. Alors, il y a un Oui. mot aussi en Nicolas. hébreu moderne, qui, je ne sais pas s'il existe en hébreu biblique, mais qui est Re'avon, ou qui est là plus la faim, la famine au sens. Existe en hébreu biblique. Ça existe en hébreu biblique? Ça veut dire la même chose, Ra'av Je crois. Je et Ra'avon? crois dans Ouais. la Bible, j'ai deux Plutôt, variantes de dire la même ça peut chose. s'utiliser même en hébreu. Zegoremli les Ra'avon? Non. En hébreu moderne, non. Non. Mais par contre, on dit Tsimaon. Oui, D'accord. Tsama, tout Tsimaon, à les fait. Ra'av, tout court. On ne dit pas Ra'avon. Je crois pas. Non, monsieur. Ouais, Je crois pas, monsieur. Réavon, et on trouve, je vois, dans Bereshit, dans la Genèse, chapitre 42, verset 19. Le récit de Joseph. Ouais. Alors, Bah, c'est ça. Vaï Ra'av Ba'aretz, et donc il y eut une famine de Ba'aretz. Alors, Aretz dans la Bible, ça veut dire beaucoup de choses, aussi bien en hébreu moderne que dans la Bible. Aretz veut dire beaucoup de choses. Alors, allez-y, je vous en prie. Hein. Nicolas. Bah Nicolas. là, il me semble que c'est le sens restreint de la terre d'Israël, ou la terre. Alors ici, oui, bien sûr, là, Oui, là, on imagine, c'est la dans ce famine, sens-là, ce n'est pas dans le le pays. sur la terre entière. C'est-à-dire que ça peut avoir le Oui, sens de pays. tout à fait. Ici, c'est le pays, d'accord. Et Mais bien sûr, la haaretz, c'est-à-dire, comme tu as voulu dire, Eli, la haaretz, si c'est les pays, c'est parfois c'est la terre, et vous savez, c'est parfois. La terre et le ciel, le Shemaim et oui, voilà. on connaît Et le Aretz, en hébreu principe de la moderne, c'est Torah. aussi notre planète. Notre planète, ça nous donne aussi la même chose. Bien sûr. À Aretz.
On a Kadour Haaretz, c'est c'est la planète Terre, Kadour Haaretz, le globe terrestre, et on a Haaretz, Eretz Aratzot, Eretz Aratzot, un pays des pays. C'est un peu le synonyme de Médina aussi, quelque part. Aratzot Abrit, par exemple. Aratzot Abrit, les États-Unis, bravo, exactement. Les terres de l'Alliance. Aratzot Abrit. Alors, Nicolas, est-ce que tu aurais une réponse à la question suivante? Pourquoi on dit Eretz, tout court, et pourquoi on dit Haaretz? Est-ce que c'est une déformation avec le temps? Tu as une idée, non? Oui, c'est parce que je pense qu'il y a des mots très courants. Alors, Vaï, Ra'av, Haaretz, bien sûr qu'on connaît le mot Ra'ev, au présent, Anira Ev, j'ai faim. Alors, ensuite, si on continue, Vayeler Ish mi Beit Lechem Yehuda. Vayeler Ish mi Beit Lechem Yehuda. Nicolas, est-ce que c'est quel verbe là? Alors, Vayeler, donc, Yeler, c'est aller, le verbe halar, qui a une conjugaison un petit peu particulière. Ben, justement, c'est un verbe fréquent. Donc, on dit halarti, je suis allé. Mais par contre, LR, le hé tombe, ce qui n'est pas une conjugaison normale. On a l'impression qu'il y a un peu deux verbes, un pour le passé et un pour le futur. Donc là, on a va yeler avec l'accent qui est sur yeler, parce que c'est un vav conversif. Donc en fait, c'est il alla. On a un début de vestige. Si je prends Yeler tout court, ça donne il ira, évidemment, mais va Yeler, voilà. Il est allé, il a là. D'accord, ouais. Donc là, ça marque le début du récit. En fait, tous ces va quelque chose, ça va nous donner une suite d'événements au cours du récit. Nicolas, je vais dire aussi, c'est exactement tout dit, mais on peut dire également que va par va Yeler, c'est aussi comme une conséquence. C'est-à-dire, il fut un famine, et en conséquence, comme cause et effet, un homme était là, etc. Alors, bien sûr qu'on connaît ce verbe halar, d'accord, qui est donc au pa'al, c'est un verbe du pa'al, ani holer au présent, halarti ou halar, ve eler teler yeler au futur, et puis à l'impératif, l'er, l'echi, l'echou. L'Ech Lecha, on connaît l'Ech Lecha, bien sûr, le fameux L'Ech Lecha dans Bereshit. Et ma question est, c'est un verbe spécial quand même, parce que si on le met à l'infinitif, c'est un infinitif qui est un peu tardif, j'ai l'impression, parce que l'infinitif n'est pas le même dans tous les livres déjà, dans tous les livres de la Bible, il n'est pas identique. Et ensuite, en hébreu moderne, on dit la Lechet. Oui, c'est il est fréquent qu'on voit la halor. Ça arrive aussi en hébreu. Les deux existent, je crois, dans la Bible. Les deux existent dans la Bible, oui, en effet. Dans le psaume 91, on a aussi un futur yahalor. Voilà, yahalor au lieu de yeler. Voilà. Alors, possible, si c'est possible, il y a autre possibilité. Et c'est-à-dire qu'il y a le verbe pi-el ou it-pa-el. C'est-à-dire l'it-pa-el, it-haler, c'est-à-dire dans la jeunesse, ça veut dire marcher de manière insistée, intensive, répétitive. L'it-haler. Voilà. L'it-haler, oui. Ouais. L'it-haler. Se balader, ça veut dire un peu se balader aussi. Non, oui. Balader, c'est possible aussi dans le livre de la jeunesse, c'est-à-dire dans le site d'Eden. Mais l'it-haler, c'est aussi aller. Oui, aussi, italech le fanaï. Voilà, italech le fanaï, c'est marcher devant moi. Je crois que c'est l'ordre pour avoir un. C'est toujours la lèche. La halakha, Nicolas a dit ça. La halakha, Nicolas. Oui, c'est le même. Je suis renchéri à ce que Yoav dit, effectivement. La halakha, c'est une sorte de marche, mais oui, la manière de faire. Tout à l'heure, j'ai cité le mot qui avait, j'ai dit qu'il y avait deux infinitifs qui coexistaient, la lechet et la halor.
Et en fait, mon propos, c'était de dire qu'aujourd'hui, ça subsiste un petit peu, puisqu'on dit alors vachov ou alors vechazor. Alors, ce mot alors, c'est en fait l'infinitif qui a été récupéré C'est de la Bible. l'infinitif Aller, absolu, alors. aller-retour, alors vachov. Exactement. C'est quand on prend un billet de train Ou d'avion, ou d'avion, comme. alors vachov ou alors vechazor. D'accord? Oui, D'accord. oui. D'accord, donc bon, voilà, donc c'était rigolo. Vayelech Ish, donc un homme, Ish. On rappelle que Ish, c'est le masculin de Isha, Ish, Isha, d'accord? Vayelech Ish, mi beit lechem, donc deux, mais ça veut dire deux. Mi beit lechem, deux, beit lechem, Yehuda, en Yehuda. Alors c'est drôle parce que enfin, c'est un peu spécial parce qu'on ne dit pas be Yehuda, on dit tout simplement mi beit lechem Yehuda. C'est un peu comme quand. Un peu comme les États aux États-Unis, on dirait directement l'État après la ville qu'on cite. Et puis, Washington DC, ouais, je sais pas. Washington DC, etc. Donc c'est drôle. Mais Beit Lechem Yehuda. Bethléem, si vous voulez dire Bethléem, la maison du Lechem, pain. la maison du La pain, maison. oui. Il faut dire, c'est qu'important, Beth est fondamental dans la Bible et après la Bible, c'est-à-dire, c'est pas comme en français, c'est-à-dire Beth, maison, c'est-à-dire, c'est indicatif sur, comment on va dire, et surtout le Beth Amikdash, le temple. Oui, et c'est utilisé aussi pour les noms des lieux. Oui, la maison du pain, ou beaucoup d'autres endroits s'appellent Beth et un autre nom à Etc. côté. Et ça veut dire, c'est Abayt, c'est-à-dire la notion de la maison est aussi très, très important Le dans la mot Bible, baït en hébreu, aussi dans l'arabe. il est utilisé à tort et à travers, aussi bien dans la Bible qu'en hébreu moderne. Et c'est un nom, j'ai l'impression que c'est un mot qui est très, très, très ancien, puisque la deuxième lettre de l'alphabet, c'est bait, et ça désignait déjà la lettre, déjà la forme de la lettre désignait déjà une maison. Peut-être, c'est ce qui te veut dire, Elie, peut-être que dès le début, on doit sentir à la maison dans le monde. Je sais pas. Ah, Achim Abayit Baolam, c'est ça que tu veux dire? Non, 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 pas, non, pas dit ça, la maison, quand même. Nicolas. Je voudrais juste revenir sur un tout petit point, c'est ish. Ish. Le mot ish, en hébreu moderne, il est un peu galvaudé, mais il me semble quand même que là, Ish, c'est quand même un homme avec une sorte de majuscule. Et bon, tu as un tout petit détail, mais le Targum a traduit par un grand homme. Ah oui? Ouais, alors bon, Pourquoi? ça C'est c'est la un. différence entre Ish et Adam? Oui, Adam, c'est plus l'homme en général, lambda. Ish, c'est quand même une personnalité quelque part. Ah Alors, bon? c'est un peu du D'accord. surcommentaire ce que je Oui. fais, mais la. Voilà. En tout cas, il y a des commentaires derrière qui vont pour dire que le Ish en question, c'est pas n'importe quel mec, quoi. C'est quelqu'un qui était un notable, au minimum. D'accord. En fait, ce que tu veux dire, c'est que Ish et Adam, ce ne sont pas des synonymes exacts, quoi. Ils sont utilisés pour une manière différente dans la Bible. Oui. Je Tu pense que vois? Tu là, vois? Pardon. c'est pas Vayeler Adam, un mec est sorti. Non, c'est Ish. Adam, c'est beaucoup rare, Adam, voilà, de ce sens-là. Mais ce que tu dis, Nicolas, c'est très pertinent. Je crois que c'est faut un peu l'interprétation déjà, interprétation tardive, voilà. Mais C'est vrai. est-ce que Adam dans la Bible est utilisé à part Adam dans Bereshit? C'est la question. Oui. Oui? Non, mais c'est une Oui, question que je vous pose. Est-ce que c'est dans la Bible, le mot Adam est utilisé autrement que Adam Arishon? Bien D'accord. sûr, certes. D'accord. Pour bien un homme standard. On aurait pu voir Adam ici, selon vous? Non, Ça aurait non, eu un autre pas. sens. Ça aurait pu. Non, je crois qu'Adam, c'est plus. C'est une question difficile que tu poses, Eli. Ben Adam existe dans le livre Yeheskel de Daniel. Et parfois, c'est plus général. C'est-à-dire comme l'être humain ou quelque chose de cet ordre-là. Ici, c'est quelque chose de Oui. beaucoup plus contextuel dans l'histoire. Quelqu'un spécifique, voilà. Alors, je D'accord. crois que c'est la raison pour laquelle on dit un homme, voilà. Un homme à Daïch, voilà. Alors, Yehuda, donc évidemment, c'est la Judée Judas, la ou Judée. Juda, ça dépend dans quelle époque on se trouve, parce que ça peut être le Juda ou la Judée.
Et qu'est-ce qu'on peut dire sur Yehuda, Nicolas? À mon avis, le Yehuda ici, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un autre Bethléem qui est dans le territoire de Zavouloun, Zébulon. Ouais. Donc lui qui est mentionné dans Josué au chapitre 19, Il y a un verset autre 11. Bethléem, il y a un autre Un autre Bethléem. Bethléem. Oui. Donc c'est un petit peu comme. C'est exactement l'idée qu'on a dit tout à l'heure avec Washington DC. Pour le différencier du Washington à l'État de Washington, qui est un autre endroit, Seattle. Là, le fait de dire Yehuda, effectivement, c'est Ça bien situe. précisé. C'est la ville qui est au sud de Jérusalem, même encore Alors, maintenant. comme le Megillat Ruth se veut, comment dire, se situer dans une époque qui est entre les juges et les royaumes d'Israël, on comprend quelque part que là, ce n'est pas le royaume de Juda, d'accord, mais c'est Nahala. C'est ici, c'est Oui, le. c'est aussi lié avec les C'est tribus de Juda. C'est lié avec les tribus de la Juda tribu, aussi, on peut c'est dire plus aussi. la région de la tribu. Après, il y aura David. David sera roi dans le Bethléem. Et aussi, suite à ce qu'a dit Nicolas, en effet, aujourd'hui aussi existe en Israël deux Bethléem. Deux Bethléem, Ah, Bethléem. encore aujourd'hui? Oui, il y a un endroit qui s'appelle Bethléem Haglilite, D'accord, en de Galilée. Galilée. Voilà, et le vrai Bethléem, voilà. Et Yehuda, comme tu as dit, j'ai dit, c'est un des mots les plus importants de la Bible et de certains sens. Yehuda, sans doute, c'est la racine, ce qu'on pourrait appeler des reconnaître, remercier ou avouer. Ça veut dire la racine fondamentale, Yada, Ah, c'est la même racine, toi, la même racine des le, Toda, la racine voilà, de Toda. tu le rapproches de Toda, de l'Hérodote. Il y en a d'autres, oui. L'Hérodote, remercier. Ou avouer. L'Hérodote, remercier ou avouer. Animodé. Exactement. Animodé. Voilà. Oui, tout à fait. Animodé lecha ou animodé chez. Animodé chez, j'avoue que. Oui, je suis reconnaissant et je reconnais le fait. On va se séparer. Oui. Vous voyez, hey, regardez, un cours ne suffit pas pour finir un passouk, pour vous dire comment les deux experts qui m'accompagnent sont généreux dans leur explication, dans leur analyse et dans leurs références. Donc, ça s'annonce passionnant pour les autres numéros de Bible Academy. Nicolas, ça va? Comment tu as senti la première? Ben, c'est très très passionnant. J'espère que on va faire un bon parcours avec le livre de route. Ouais, il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir. Enfin, il y a beaucoup de choses qui nous attendent, en tout cas, dans ce pérec, dans ce chapitre. Todaraba, Nicolas, on se voit évidemment la prochaine fois. Yoav. Oui, très bien, je suis content de participer. C'est-à-dire, ça nous permet aussi un petit peu d'être spontané avec la langue. Voilà. La langue ici, on peut réagir de manière un peu libre. Voilà. C'est très bien comme ça. On aura Voilà. l'occasion, en tout cas, vous voyez que sur le PDF, vous avez le texte en regard, le texte hébreu et le texte français, qui va nous permettre aussi de se situer par rapport à la traduction et de se positionner aussi par rapport à la traduction pour voir les points communs et les différences. Et il y en a, et il y en aura. Vous verrez dans ce pérec, ça va être vraiment passionnant de voir comment les mots peuvent justement être polysémiques et nous envoyer vers peut-être parfois d'autres idées. D'autres significations. Todaraba Nicolas, Todaraba Yoav, ve ani omer lachem, leitraot venitrae, bapam abba. Shalom Eli.